Bonjour, je suis Aurore, coach en orthographe. Bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Alors aujourd'hui, dans ma petite leçon, nous allons aborder... Aurore, vous me demandez pas ce qui m'arrive ? Ah mais si Jean-Jacques, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez l'air tout tristounet. Hier, il y a eu un incendie en face de chez moi et l'odeur de brûlé, ça a réouvert des blessures d'enfance personnelles. On ne dit pas réouvert des blessures d'enfance. Ah. Bah oui, parce que le nom commun, c'est la réouverture avec un « et ». Mais le verbe, c'est rouvrir en un seul mot. Je sais, c'est bizarre, c'est pas cohérent. Donc on dira que l'odeur acre a rouvert des blessures profondes en vous. Si ça, ça a rouvert des blessures profondes voilà, en moi. Et vous avez perdu quelqu'un de proche, quelqu'un de votre famille? Oui, oui, c'est ma gerbille. Ah, c'est moche. Elle qui aimait tellement les petits déjeuners. Il y a eu un incendie dans votre cuisine? Non, c'est pas ça. En fait, j'ai pas fait attention. Oui. Elle s'est faufilée dans le grille-pain. Ah. Moi, j'ai appuyé et puis là. Ah. Elle a sauté en l'air. Ah. Ah, je l'ai toasté. Je l'ai toasté. Ah, une gerbille toastée. Et puis bien, des deux côtés. Ah, ça, c'est pas évident. Bah non. Bon, eh bien, ma petite leçon, c'est fini pour aujourd'hui. Oui. On se retrouve bientôt. Oui. Au revoir, Jean-Jacques. Au revoir, Aurore. Ouais. Ça va aller? Oui, ça va aller, oui. Oh, ben alors ça, vous savez, c'est pas évident de trouver le bon temps de cuisson pour donner les deux côtés. J'ai mis du temps à trouver. Mais c'est bien, hein. C'est pas mal.